Vous êtes à la recherche d'une tondeuse à gazon thermique pour tondre votre pelouse et maintenir un beau jardin? Les tondeuses thermiques sont les plus puissantes et sont conçues pour tondre des terrains assez grands à partir de 600 m², contrairement à des modèles électriques qui se destinent plutôt à des petits bouts de terrain. Dans cette vidéo, je vous ai donc fait une sélection de 3 très bonnes tondeuses thermiques pour entretenir votre pelouse. Pour chaque modèle, je vous mets le lien en description de ma vidéo que vous trouverez juste un peu plus bas. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos, parce que tôt ou tard, l'une des présentations produits vous sera très utile. Allez, c'est parti, je commence avec la tondeuse thermique Delta Fox. Elle a une largeur de coupe de 42 cm, la hauteur de coupe est réglable sur 6 niveaux compris entre 25 et 75 mm. Elle a un bac collecteur d'une capacité de 45 litres, donc le bac collecteur c'est là où atterrit l'herbe une fois qu'elle est tondue. C'est une tondeuse qui est tractée, ce qui est quand même beaucoup plus confortable quand on a un grand jardin à tondre. Et cette tondeuse elle permet également d'éjecter l'herbe latéralement et de pailler. Elle a un raccord d'eau pour procéder au nettoyage de l'appareil facilement. Je vous donne son poids, 22 kg, et elle est fournie avec une lame de rechange. Concernant le carburant, il faut mettre du sans-plomb Super 95, donc comme dans toutes les tondeuses, sans oublier bien évidemment l'huile pour le moteur. Ce modèle a reçu la note de 4,4 sur 5 sur près de 300 évaluations clients. Je continue avec la tondeuse thermique FUX Tech. Elle a une largeur de coupe de 51 cm. Alors c'est un bon point puisque plus la largeur de coupe est importante, moins on a besoin de faire d'aller-retour. La hauteur de coupe est réglable sur 7 niveaux compris entre 25 et 75 mm. Le bac qui récupère l'herbe a une capacité de 60 litres. Cette tondeuse elle peut également éjecter latéralement l'herbe et elle propose aussi la fonction mulching. Alors le mulching consiste à broyer l'herbe et à l'étendre au passage de la tondeuse et ses déchets forment un compost qui nourrit par la suite le gazon. Elle a un système d'autotractage pour ne pas avoir à la pousser soi-même, et ce qui est bien, c'est qu'on peut régler la vitesse. Donc si on veut marcher doucement, c'est possible, et inversement si on souhaite aller plus vite. Elle est équipée du système Easy Clean pour nettoyer facilement le carter intérieur, et pour l'alimenter, c'est toujours de l'essence du sans-plomb 95. Ce modèle a reçu la note de 4,2 sur 5 sur plus de 1200 avis clients. Et je termine par la tondeuse thermique Murray, donc c'est la plus complète des trois présentées. Sa largeur de coupe est de 53 cm, c'est donc celle qui coupe le plus large. La hauteur de coupe est réglable sur 6 niveaux, mais sur une amplitude allant de 28 à 92 mm. Elle propose 4 modes pour l'herbe, donc le mode bac dans lequel l'herbe va être stockée, l'éjection arrière et latérale et la fonction mulching. À propos du bac de ramassage, il a une capacité de 70 litres, donc c'est important qu'il ait une bonne capacité, ça évite de devoir le vider trop souvent. Cette tondeuse est assez lourde par contre, 37 kg, mais elle s'autotracte, donc heureusement il n'y a pas besoin de la pousser. Ce modèle Murray a reçu la note de 4 sur 5 sur plus de 400 évaluations clients. Et bien maintenant, vous allez pouvoir tondre efficacement votre pelouse même si l'herbe est très haute et que votre terrain présente des caractéristiques un peu complexes comme des pentes et des buttes. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur un modèle ou passer commande, je vous rappelle que les liens sont en description de ma vidéo située juste en dessous, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mettez un like si elle vous a été utile et pensez à vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine présentation produit parce que vous méritez le meilleur.